Ok, cadrage. Ça devrait être bon. Ok. Cadrage, tout bien placé, ok. Bon, allez! Salut à tous et à toutes, c'est moi Netflix511. Et aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode. J'oublie à chaque fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. L'épisode 7! Voilà, l'épisode 7. Et logiquement, si je ne me gourre pas, il y a 16 chapitres dans ce jeu et on en est au 13e. Donc, ceci devrait être l'avant-dernier épisode. Logiquement, bref. Si je ne me gourre pas, allez. Donc on y va. Donc, attendez, faut que je le remette dans le bain. Alors, cabale. Alors, dans l'ancien épisode, qu'est-ce qui s'était passé? Bah, dans l'ancien épisode. Oui. Dans l'ancien épisode, on avait joué. Kun Lao, pardon. Pour libérer Kitana, sauf qu'on a appris qu'elle était à l'amphithéâtre pour être exécutée. Donc on est arrivé à l'amphithéâtre, donc Kun Lao a combattu et tout ça. Et à un moment, Shao Kahn a tué Kun Lao, donc Liu Kang a tué Shao Kahn. Voilà. Sauf que bon. Kun Lao mort, ça c'est fait. On peut dire. Et. Ah mais. Attendez, voilà. Sauf qu'après on a appris que Quan Chi a soigné Shao Kahn. Ensuite, Quan Chi a proposé à Shao Kahn d'envahir la Terre, mais Shao Kahn a dit « Ouais, mais Sindel m'a mis un sort pour que je ne puisse pas y aller. » Et Quan Chi a ramené Sindel à la vie pour que Sindel lui enlève son putain de sort qui l'empêche d'aller sur Terre. Donc ils ont ramené Sindel à la vie parce qu'elle était morte, parce qu'elle s'était donné la mort, voilà, bref. Voilà, donc après ils ont commencé à envahir la Terre, et toi tu vas arrêter de me faire chier. Ils ont commencé à envahir la Terre, une fois qu'ils ont commencé à envahir la Terre, on a joué Striker, donc un policier qu'on vient de rencontrer. On l'a joué, on a combattu, et il était avec un collègue Cabal, sauf que il s'est fait brûler par Kitaro, Cabal. Et donc... Ah. Attendez, je vous raconterai la suite après. Il y a tellement d'éléments à raconter. Comment tu sors de là? Je sais pas. La Sindel. Chanson. Oui, empereur. L'impératrice veut te demander quelque chose. Tu vois, je pense qu'il est un peu trop. Je vais le faire. Voilà, il a tué Chanson. Super. Non, non. Non. Personne n'attaque l'empereur. Putain, mais non. Je me souvenais de Milena. Je me souvenais qu'on combattait Milena avec un autre mec. Mais moi, je pensais que c'était genre Reptile ou Baraka. Mais non, c'est Noobs. Autant mettre le personnage le plus chiant du monde. Bref, donc je vais peut-être finir mon explication. Parce qu'il y avait beaucoup de choses. Donc Cabal a été brûlé, et donc Kano l'a ramené pour le ramener à la vie, on a appris que Cabal appartenait au Dragon Noir, mais qu'il a quitté le Dragon Noir pour devenir flic, et voilà. Et là, on reprend là. Alors là, ça va être une partie de plaisir, je le sens. Parce que, vous voyez ces deux personnages, ils ont un pouvoir de téléportation. Et vous savez que dans ce jeu, les personnages qui ont un pouvoir de téléportation en abusent. Alors attendez, il y avait un mouvement que je trouvais bien. C'était quoi? Tornado Slam. Ah ok, ça c'est pour foncer. Tac tac rond. Attendez, c'est quoi ça? Ah non, c'est ça. Je préfère ça. Alors c'est quoi ça? Ah bah c'est ça en fait que je voulais.
Merde, il était... Oh. Oh là là, sérieux, attendez. Oh, vas-y. Mais arrêtez de vous protéger, putain. Ça va être long, je le sens. Oh là là. Bah oui, allez. Puis bien évidemment, Noob, c'est celui qui a le plus de vie. Mais allez. Pourquoi ils ont inventé ce personnage? Allez, vas-y, là. Sérieux, quoi. Oh, vas-y! Sérieusement, quoi! Je vais réussir à placer un jour mon X-ray ou quoi? Oh là là, arrêtez! Mais, oh! Mais ils arrêtent pas de... Allez! Ouah, vas-y, d'où, là? Blocage désactivé. Qu'est-ce qui m'arrive? Putain, il m'a mis une... ces conneries, là, encore. Ouah, allez, quoi. J'arrive pas. On garde le meilleur pour la fin, comme on dit. Et allez! À part ça, il abuse pas de ça! Oh non! Oh vas-y quoi! Il lui restait rien! Oh là là! Je m'énerve déjà parce que je sais que ces personnages vont me saouler! Je le sais! Mais! Arrêtez de vous protéger, putain de merde! Mais! C'est fou! J'esquive sa merde, mais je me la prends quand même! Non, attention. Mais! C'est comme si j'abusais de ça, quoi! Bon, à chaque fois qu'il part, par contre, ça me fait très mal. Allez, vas-y, là. Quoi, ça? Oh, mais sérieux. Oh, allez. Hey, Shao Kahn, tu te la fermes derrière, ok? Putain, j'essaye de le frapper depuis tout à l'heure. Lui, il me fait un petit truc de merde, puis il y arrive, quoi. Oh là là, mais sérieux, c'est illégal, quoi. On devrait interdire ce genre de combat, la con. Hein, quoi, qu'est-ce qu'il dit? Is control to win? Quoi? Oh, il m'énerve avec ça, je vous jure! Mais arrête, là, putain! Bats-toi un peu, comme normalement! Et toi aussi, là! Manque de tapette, là! Ça va être long, cet épisode, je le sens! Ouah, d'où? Et il me gave ce mec, il me gave! Mais. Arrête! Vous avez vu qu'il a essayé de faire sa téléportation 3 fois? Mais. Mais. Oh, mais allez! Sérieux! Bon, allez, quoi. Putain. Et c'est long, hein. C'est encore plus long que de faire un cours.
Ouais, c'était nul. Ouais, j'allais dire. What? J'aimerais bien arrêter de foutre des coups dans le vide! Putain, mais même Milena, elle est chiante! Par contre, toi, t'es très chiant! Regardez, Milena, ça va là! Mais oui, monsieur, là, une gave! Non, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Ok, j'ai fait ça sans vouloir. Ah! Voilà, cassez-vous là! Ouais, j'avoue. Quanchi, ferme le portail. Sans blague. Hop, super vitesse! Attendez, c'est déjà fini le chapitre? Genre. Bonjour. Ah bien évidemment, il arrive pile à l'endroit où il était. Comme par hasard. Ça doit être un effet secondaire de la magie du monde extérieur. Tu n'es pas autorisé à utiliser les portails. Ah ouais? T'es qui toi? Sub-Zero. Unité LK520. Et voilà, voilà ce qui est devenu Sub-Zero, un robot. Cyber Sub-Zero. Waouh! Il va se calmer! Mais attendez, c'est le dernier combat de Cabal, là? Non? J'ai souvenir que c'est le dernier. Alors peut-être qu'il y en a un autre que j'ai totalement zappé, tellement qu'il est inutile au scénario. Mais... il va être chiant, je le sens. C'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Sub-Zero. Oh, c'était nul. Putain, mais il est rapide. Par contre, ce qui est marrant, c'est qu'il dit Sub-Zero LK520. Enfin, voilà, c'est juste pour faire la rime avec Sub-Zero. Voilà, c'était nul. Mais tout, il se gêne, là. Yes. Je me suis dit, est-ce que je vais l'avoir? Alors, l'X-ray de Sub-Zero, pour l'activer, faut qu'il soit en l'air et qu'il appuie, et qu'il fasse son X-ray. Donc, j'ai intérêt à faire gaffe quand il sera en l'air. Il va peut-être le faire. Et putain, je m'en doutais! C'est un truc de fou, ça! Hein. Mais bien évidemment, c'est pile au moment où je fais... bah quoi? Mon hypercut! Non. Ouf. Oh, avec le manteau derrière, c'est énorme. Viens là! Il m'énerve, lui. Ouch. Est-ce que j'ai pas placé mon X-ray encore? J'ai pas réussi. Hein. Vous verrez pas son X-ray, Cabal. Quel dommage. Je vais pas prendre des coups juste pour faire plaisir, hein. Non, mais je suis vraiment un con. Oh, merde! Bon, tant pis. S'il gagne ce round, peut-être que j'y arriverai, mais... bah non. Il a perdu. Ça, tu vois. Bon, bah, je suis nul. C'est clair. Pourquoi te retourner contre ton frère, Lin Wei? Cette chose n'est pas mon frère. C'est une machine. Je suis humain. Tu n'as pourtant pas l'air humain. Ne te fous pas à mon masque. Round 1, fight. C'est bien ce que je pensais, en fait. Il y a bien un combat contre Cabal, mais en fait, il sert tellement à rien que je l'ai oublié. Mais ils ont tous changé de design, quoi. Ils ont tous un nouveau look. Mais Shiva, mais... c'est quoi ces combats qui ramènent juste pour faire du contenu, quoi, sérieux? Qu'est-ce qu'on en a à battre de Shiva, quoi? Regardez ça, elle est tellement nulle! Si j'avais le jeu, j'aurais peut-être pu faire une Flawless Victory. Alors, ses cheveux ont aussi beaucoup poussé, hein.
Mais d'où? Putain, je me suis dit, c'est bon, je vais pouvoir vous le montrer, mais non. Mais d'où elle s'était protégée? Elle était en l'air. Tu vas pouvoir croire qu'en l'air, on peut parer maintenant? Bon, vas-y. Vas-y, là, elle est en train de me défoncer, j'étais en train de prendre la pastèque, là, et elle est en train de me dire non, non. Je t'ai jamais demandé de foncer, mais... Bon. C'est joli, l'hélico derrière. Boum. Mais arrête de me choper en l'air! Elle me gabe! Voilà, à terre. Comme avant, quoi. Bonjour. Tu as en effet de grands pouvoirs, Cabal. Attendez. C'est vous le type aux éclairs. Vous avez aidé Stryker. Stryker, est-ce qu'il va bien? Il nous a rejoint dans notre lutte contre... Shao Kahn. Pas plus fort! C'est la bienvenue. Sub-Zero. Ce qui faisait de lui Sub-Zero... n'existe plus. C'est mon ami. Ce qu'ils lui ont fait, c'est... affreux. On l'aidera, si on le peut. Ah. 16 minutes. Voilà. Les dés sont jetés. Je suis sûr que ça va marcher. À ton avis, j'ai jamais fait ça avant. J'ai pas le mot de joie. Sub-Zero? Est-ce qu'il m'entend? Je pense. Sub-Zero. Oui, Smoke. Comment te sens-tu? Chapitre 14, Cyber Sub-Zero. Qu'est-ce qu'il y a? Je me souviens. Les choses que je faites pour Shao Kahn. Il ne faut pas qu'il fusionne les royaumes. Aoka, comment Sub-Zero peut-il nous aider? Aoka? Quoi? Les tentatives d'altérer les événements futurs ont une conséquence néfaste. Sub-Zero n'aurait jamais dû subir cette transformation. Je préfère l'être, c'est par ta force. Pourrait bien modifier plus encore le cours des choses. Il nous faut des infos, d'accord? Renvoyons le incognito dans le monde extérieur. Ils ne seront pas au courant de ma désertion. Je pourrais les tromper. Le point qu'il lui a mis dans la gueule. Alors, Cyber Sub-Zero, j'ai fait l'ascension il y a pas longtemps avec lui, en réussissant bien évidemment. Donc, je ne sais pas si je le gère bien ou pas, mais avec un monsieur qui abuse de la téléportation. Mais à chaque fois qu'il est par terre... Non mais... Oh. Vous avez vu, à chaque fois qu'il est au sol, il se téléporte. Attention. Mais évidemment, là tu le fais pas. Et là tu le fais. Fous-toi de ma tronche, tiens. Arrête de te téléporter! Tu me... Qu'est-ce que je faisais là? Oh, il se déplace comme Iron Man. C'est génial. Fight!
Comment je fais ça? Mais arrête! Bon, l'extrait de Sub-Zero, vous l'avez déjà vu. C'était nul. Mais attendez, wow, comment je fais tout ça, là? Nanana, nanana, ice ball, tac, tac, carré, ok. Et slide, c'est quoi? Ok, c'est bon. Oh, vas-y. Mais arrête! J'ai balancé une bombe et il se l'est quand même prise. J'ai même pas fait exprès. Mais putain! Oh non, mais quel con! Putain, pendant un petit instant, j'avais oublié que son extrait fallait sauter pour l'activer. Oh, que tu me casses les pieds. Là. Là, au moins, si l'ennemi il est gelé, il peut pas bouger, donc c'est plus simple. Ouais, arrête avec ça, sérieux. Mais le gars, il se fout de ma gueule, quoi. Allez, vous. J'arrive pas à faire des combos avec lui, c'est horrible. Mais oh! Mais pas par là! Mais arrête avec ça! Mais il est d'un casse. Va te faire, mais sérieux. Mais les ennemis qui n'arrivent pas d'abuser de la téléportation, je les considère comme des tapettes, sérieusement. Mais sérieusement! C'est sûr qu'en se téléportant, c'est plus simple, hein! Mais rien, tu vois, con! Il m'énerve! Je savais que j'allais m'énerver vers la fin du let's play. Enfin, même au début, mon gars. Enfin, pas vraiment au début. Non, mais. Mais allez, prends-toi les coups, là! Oh là là, mais heureusement qu'ils vont baisser la difficulté dans l'autre Mortal Kombat, là. Mais qu'est-ce qu'il fait? Moi. Voilà. Mon jeu, c'est dire fight maintenant, c'est bon, il a retrouvé son fight. Je sais pas si vous vous souvenez, dans cet épisode. Il disait plus fight. Le gave avec ta téléportation à la con! Oh bah si, c'est dégueulasse quoi! Parce que monsieur abuse de la téléportation. Mais arrête! Mais c'est dingue ça! Mais c'est pas vrai, arrêtez avec votre téléportation de merde là! Et je me souviens des combats qui m'attendent, hein! Va juste te faire foutre. C'est clair ça? Ok, la roquette elle est minuscule, mais je me la prends quand même. Mais. Mais allez là! Putain, je te jure, si j'avais perdu, j'aurais pété un câble. Les améliorations artificielles ne remplacent pas.
Merci, Sector. Un nouvel endroit dans lequel on va se battre. Une seule fois, évidemment. Ouais, je me disais bien. Je me disais bien, je me souviens pas qu'on affronte Kano. Par contre, je me souvenais de Kitaro et Goro. Allez, deux d'un coup, oui. On se souvient de la petite technique que j'avais fait, hein. Faite, pardon. Merde! Il manquerait plus que Shao Kahn se ramène à la fête, puis c'est bon, là. Ok, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, mais en fait, ils arrêtent, vu qu'ils font des changements de partenaire. On t'arrête, oui? Notre X-Ray fait beaucoup plus mal. Je remarque, regardez les dégâts que je lui ai fait. Alors qu'avant, avec Liu Kang et tout ça, les X-Ray, c'était pas ça. Raté. Eh, ça marche bien cette technique, j'adore. Ouais, parce qu'avant, vu que la première fois que j'avais fait le jeu, je n'avais pas fait cette technique, c'est sûr que c'était plus dur. Mais j'ai quand même réussi. Oh, recommence pas. BAM! Coup d'épée dans ta gueule! Hop. Raté. Hop, raté. Hop, raté. Bonjour. Au revoir. Non! Ouah, vas-y! Oups. Ah! Excusez-moi, monsieur. Ah là là, tu me saoules avec ça. Vas-y, continue de te la péter, là. Ouais, et tout. Raté. Ouf. T'as mis. T'es gros, tu dois peser méga lourd. Et tu... Ta gueule. Et tu... Mais t'es quand même rapide. Oups. Non. Bon, bah, c'était... Oups, non, c'est bon. Allez, pour finir, un petit X-ray. C'est mardi. Eh ben parfait, j'ai géré, là. Du premier coup. Encore derrière moi. Sérieux? Ah tiens, il a remis son vieux look. Reste où tu es, rebut du monde extérieur. Putain, mais y a Air Mac aussi. C'est une boîte, ça. Ouais, juste parce qu'en fait, c'est juste pour ajouter du contenu, quoi. Donc on te met un combat, comme ça, contre un mec qui se ramène, comme ça. Qui commence déjà à me gaver alors que ça vient à peine de commencer.
Oh, il va se calmer, lui. Non, me dis pas qu'il va lui aussi abuser de la téléportation. On dirait que si, hein. Ouais, attends, j'ai fait n'importe quoi, mais monsieur se protégeait. Oh, mais putain, mais il va se calmer. Non mais, non mais il va se calmer, mec, là, sérieux. C'est quoi, c'est le mec qui se ramène puis qui font coucou, je veux me battre. Mais what? Mais il a fait deux fois la télé. Pourquoi je l'ai pas eu là, vous m'expliquez? Bon là j'avoue, là il s'est protégé, là je peux comprendre. Je suis pas mauvais joueur, si vous m'expliquez pourquoi ça ne marche pas, je peux comprendre. J'étais à 1 cm de toucher sa gueule. Monsieur me fout ça. Alors le X-ray de Cyber Sub-Zero, il fait super mal. On peut le voir, hein. Non, arrête, là, donc. Mais laisse-moi toucher le sol. Allez, je suis mort, super. Ah, c'est mort, hein. Il va m'enlever toute ma vie, là. Sérieusement, quoi. Oh là là, je suis sûr, non mais, je suis sûr, on fait un pari, si on enlevait tous les combats remplissage, on va dire, parce que j'ai pas d'autre mot, ce genre de combat, où c'est genre, vous avez battu des personnages, bah, Kitaro et Goro, c'est normal que tu les combattes, ils étaient là en train de garder les mecs, c'est un peu normal, mais Erma qui se ramène comme ça, gratuitement, donc, je refais ma phrase, je suis sûr que si on enlevait tous les combats remplissage, le jeu, il serait très court. Mais très 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 court. Et arrête de protéger. Il reste. J'espère qu'après il reste que le combat que je pense. Que ce dernier combat, il va m'énerver. Mais arrête de téléporter, mec, sérieux. Ok, j'arrive à l'avoir alors qu'il se téléporte. Quand même balèze. Mais j'essaie de lui faire. Arrête, sérieux quoi. Ok, j'ai fait n'importe quoi. Mais c'est quoi là, c'est téléportation land. C'est fou comme je m'en doutais pas. Non, 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 non. Je refuse. Tu n'es pas si terrible un peu tout. 33 minutes, ok. Merci. Je pensais qu'on était foutus. Je dois y aller. Je vais aller fouiller le cimetière. On irait bien avec toi, mais on va rejoindre notre unité. Ça vaut mieux pour vous. Bonne chance, mec. Ah, il a pas besoin de chance, ouais. Si tu dis. Si tu le dis. Toi, tu ne mérites pas le bon.
fin pour servir le royaume des deux au monde extérieur. Cela ne vous vient. Et mon frère, nous sommes. Nous partageons le même sang. Nous sommes un frère. Alors je ne regretterai pas ta défaite. Nous partageons le même sang, mais nous ne sommes pas frères. Waouh, mec, t'es très con. Voilà, donc là, dernier combat de Cyber Sub-Zero, et je vais en chier un max. Parce que vous vous souvenez à quel point j'adore Noobs. Voilà, monsieur abusage de téléportation. Vous savez à quel point je l'adore. Donc on vient d'apprendre que Noobs, c'est le Sub-Zero que Scorpion a tué, et Quan Chi l'a ressuscité. Voilà, une révélation, pas pour moi. Mais regardez-moi, c'est... T'as bu, quoi ? Nous, j'ai pas joué, là. Non, mais... Ce combat, je vais en chier. Mais merde, pourquoi il crève pas avec mon X-ray, quoi? Merde, sérieux, qui survit à ça? Un mec chanceux. Je sais même pas. Un coup de glace dans la tête, je peux comprendre, mais un coup d'épée aussi gros dans le bide, quoi. Tu me diras, il a déjà été ressuscité. Mais j'ai le temps d'à peine effleurer le bouton, il m'a déjà enchaîné, quoi. Vas-y. Ça aurait été marrant s'il avait atterri sur la grenade. Mais je le sens mal là, le troisième round. Va te faire. Mais laisse-moi jouer! Mais laisse-moi jouer! Bah, reste le mec! Là, ok, et là il se foutait de ma gueule. Oh putain, j'ai réussi du premier coup. Oh oui, tu as raison, nous ne Chapitre 15, Nightwolf. Le sort du royaume Terre est scellé, Nightwolf. Pas encore. Combattons jusqu'au bout. Ouais, mais... Non. Voilà. Bon, j'ai enfin réussi. Et franchement, je m'attendais vraiment à ce que contre Noobs, là, je galère. Bon, j'ai réussi du premier coup. Bon, il a quand même gagné un round. Mais bon, ça va. Pour un seul round, on va pas gagner. C'est quel combat qui était plus chiant avec Cyber Sub-Zero? Cyber. Bah c'était... Merde, je m'en souviens plus. Sector, putain, voilà. Voilà, voilà. Bon bah, en 40 minutes, génial, bref, allez. Donc, le prochain épisode sera le dernier, parce que là, il nous reste deux chapitres, donc il nous reste Nightwolf pour le chapitre 15. Et on sait tous quel personnage on va jouer dans le chapitre 16, hein, parce que, bien évidemment... On garde le meilleur pour la fin. Allez. Bref, donc j'espère que cet épisode vous a plu. Laissez des j'aime pas, des commentaires. Abonnez-vous si vous voulez. Et moi, je vous dis à la prochaine pour le dernier épisode de Mortal Kombat. On va enfin finir ce jeu. J'en peux plus. C'est trop rageant. Voilà, allez. Salut et à la prochaine.